La santé de Céline Dion inquiète le plus grand nombre. Au mois de décembre 2022, la chanteuse avait annoncé qu'elle souffrait du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare contre laquelle elle se bat ardemment. Au cours d'un entretien accordé aux médias 7 jours ce mardi 12 décembre, Claudette, la sœur aînée de Céline Dion, a donné des nouvelles de l'ancienne épouse de René Angélil. Elle-même chanteuse engagée pour la fondation Maman Dion, qui vise à aider à la réussite scolaire des enfants de 5 à 16 ans, l'autre fille de Thérèse Tanguay a assuré qu'un grand nombre d'individus s'enquièrent de l'état de santé de l'interprète de Destin. Si tu savais le nombre d'appels qu'on reçoit à la fondation pour avoir des nouvelles de Céline, a lancé Claudette Dion à nos confrères de 7 jours. Les gens nous disent qu'ils l'aiment et qu'ils prient pour elle. Elle reçoit tellement de messages, de cadeaux, de crucifix bénis. Elle travaille fort, mais elle n'a pas le contrôle de ses muscles. Une prise de parole malheureusement peu rassurante. Pourtant, au cours des dernières semaines, la chanteuse semblait montrer des signes laissant entrevoir l'espoir d'un rétablissement futur. Supérieure à supérieure à Laurie Pesté, Céline Dion, Stéphanie Fournier. Ces femmes qui ont marqué la vie de Garou Céline Dion, de sortie avec le prince Harry et Meghan Markle le 4 novembre dernier, Céline Dion créait la surprise en faisant sa première apparition depuis l'annonce de sa maladie. Et la Québécoise n'avait pas fait les choses à moitié, puisqu'elle s'était rendue à Las Vegas, pour assister au dernier concert de la résidence de Katy Perry sur la scène du Ressort World Theatre. Vêtue d'une robe décolletée à imprimé léopard, la chanteuse avait vécu le spectacle depuis la loge VIP, dans laquelle trônaient également le prince Harry et Meghan Markle. Un événement passé en bonne compagnie, qui laissait présager l'espoir d'une amélioration de l'état de santé de la mère de René Charles Angélil. Mais à en croire les dernières confessions de Claudette Dion à 7 jours, la rémission n'est pas pour tout de suite. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, droit d'auteur capture Instagram via Best Images.